Hey. Où tu as eu ce collier? Quel collier? Le collier que tu portes. C'est pour toi? Bien sûr que c'est pour moi. Tu en as vu deux dans cette maison. Écoute, Nafi, c'est pas parce que tu es un peu civilisée maintenant que tu penses que tu es la seule qui porte ce genre de collier. Alors, fiche-moi la paix. Oh, lâche-moi, c'est quoi? Ayane, je t'ai déjà dit que je ne veux plus te voir fouiller dans mes affaires, ni les porter. Alors tu vas gentiment me donner ce collier, et maintenant. Nafi, c'est pas ton collier. Donne-moi le collier. Donne-moi le collier. Donne-moi. Que je te revois encore mettre mes affaires. Voleuse. Fainéante. Sale villageoise. Ce n'est que le début. Le pire reste à venir. Karine. Ah, Raphaël. Ça va? Oui, ça va. Tu as faim? Mais Karine, j'attends depuis l'argent de la voiture. C'est quand la date du mariage? Ah, mais je t'ai dit que la semaine prochaine, ce sera réglé. Écoute, quand tu auras la date du mariage, reviens me voir. Karine, s'il te plaît, Karine, attends. Karine, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, maman. Mais qu'est-ce que tu as au front? C'est rien, c'est juste que je me suis cogné la tête contre la porte de la douche ce matin. Je ne te crois pas. C'est encore ta sorcière des femmes là qui t'a fait ça. Maman, Nafi n'a rien à voir avec ça. Comment ça n'a rien à voir avec? Mais si je te dis qu'elle n'a rien à voir avec, c'est qu'elle n'a rien à voir avec. Repos, Aya. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux te voir. Me voir? Ben, prends place là. Moi, je veux de l'argent. De l'argent? Qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux payer des habits. Et tu as besoin de combien? 50 000. 50 000 te suffira? Oui. C'est sûr? Comment ça avance la formation? Oui, ça va. Sûr? Oui. Ben, courage alors. Merci. Tiens, maman, finis-moi ce boulot. Je suis désolée, le colonel m'a donné beaucoup de travail que je n'ai pas encore terminé. Quel colonel? Moi, j'ai les ordres du général. Allez, tiens ça!
S'il te plaît, nous, on voulait avoir des renseignements. Quels renseignements? Vous ne voyez pas que je travaille? Allez-y à vos manœuvres. Chez moi. Mais je me suis débrouillée. Tu sais très bien que je suis une femme mariée. Je sais, mais je veux te voir juste une minute. Va-t'en, va-t'en, allez. Mais tu m'appelles alors? Oui, après, va-t'en. Toi là, qu'est-ce que tu es venu foutre chez moi? D'ailleurs, qui t'a montré ma maison? Mais ma chérie, j'avais tellement envie de te voir. Tu sais très bien que j'ai une fille. Son père est mort il n'y a même pas longtemps. Elle n'est pas prête à me voir avec un homme. Pardonne-moi ma chérie. Hein? Je ne vais plus recommencer. D'ailleurs, pour me faire pardonner, tiens ceci. Merci, mais ne recommence plus jamais ça. D'accord, c'est compris. Allez. Oui, bonjour. Bonjour. C'est la famille Cam? Oui, c'est la famille Cam. Raphaël est là? Non, c'est pourquoi? Sinon que moi, c'est Karine, sa fiancée. Fiancée? Oui, sa fiancée. Et vous, c'est qui? Moi, c'est Nafi, sa cousine. Ah, sa cousine. Enchantée. Au plaisir. Raphaël et moi, on sort ensemble depuis longtemps. Et là, il est venu faire connaissance avec les membres de sa famille. Ah bon? Et il ne vous a pas parlé de moi? Non. Il m'a souvent parlé de ses deux sœurs et d'un frère, mais jamais de vous. Il a dû oublier. Sinon que moi, je suis ici aussi. Ok. D'accord. Bon, je vais demander la route. Karine, puisque tu es la fiancée de mon cousin, on pourra devenir amis. Bien sûr, ça va me faire plaisir. Moi de même. Ok. Et tu pourras venir me rendre visite à la maison? Il n'y a même pas de problème. Tu peux compter sur moi. D'accord. Bon, je m'en vais. Au revoir. À bientôt.